Lundi, nouveau vlog. J'ai mis tout de suite pour pas oublier, elle est déjà sèche, hein, ma tenue que j'ai achetée hier à Leclerc de Noël. J'hésite entre c'est mignon, c'est ridicule. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, on a la petite casquette intégrée avec le bonnet de Noël. Alors, je vais pas la mettre aujourd'hui parce que j'ai quand même un rendez-vous. Bon, c'est un rendez-vous pour contrôle technique voiture, mais enfin bon, ça peut pas très sérieux, surtout qu'après je vais rentrer à pied. Le résultat est sympa, et je vous dis, c'est assez long quand même, ça tombe sous les fesses. Il est midi, Eric vient de rentrer, il faudrait que je fasse avant qu'on parte, on a rendez-vous à 14h. Est-ce que je vous avais dit, là, les petites photos pour le Vinted, de façon à ce que ce soir, avant 18h, l'annonce où je dis, je rajoute des choses, ce soit en ligne, si vous avez compris. Et sinon, vous vous demandez peut-être si l'ambiance va mieux avec Eric, et donc oui, parce qu'on n'en parle pas. J'arrête avec ce problème. Regardez, j'ai trouvé la solution, je ferme le volet. Ah, et avant que j'oublie, calendrier de l'Avent de ma maman aujourd'hui. Elle m'a envoyé la photo. C'est un soin, un gel soin hydratant. Voilà. Ça y est, j'ai fait les 4 photos. Donc au final, je me sépare des 4. Enfin, je vends ces 4, on va dire, manteaux et gilet. Je me suis changée, on va pas tarder. Je sens qu'on va se les cailler parce qu'on va rentrer à pied. Je ne peux pas prendre ma voiture. La mienne, elle est également en panne. Et elle, ma voiture, elle a rendez-vous, c'est demain. Donc j'ai intérêt à me trouver un truc bien chaud. Je viens d'y penser, évidemment. Je vais mettre ça, autant de l'amortir. Et c'est tellement efficace. Bon, je vais mettre autre chose avec. Alors si j'ai froid avec ça, je comprends plus rien. Oh, il est chouette en plus. Hein. Enfin, je veux dire, il est plutôt joli. Hein. Oh, c'est top, t'as l'impression vraiment d'avoir... Ah ouais, c'est ça en fait, c'est très fin. Et t'as la sensation d'avoir déjà 3 couches sur toi. C'est ouf, hein. T'essaies de faire une coiffure sympa. T'essaies 2 fringues et voilà, t'as plus rien. Bref, je voulais parce que là, je vais pas y arriver. Il faut pas qu'on tarde, hein. Nous attendons. Bon, là. 3 quarts d'heure. On a eu le temps de rentrer à pied. Et là, pour partir, toujours le... Comment ? Non, je suis. Enfin, je fais gaffe, il y a un poteau, je vois que dalle avec lui. Je n'entends pas. Tu me parles ? Tu me parles peut-être ? Mais ça, ça monte vite, hein. Oh, yeah, yeah, yeah. Ça monte vite, non, bah, les 2-3 petits bricoles qu'il y avait déjà. On est rentré. J'ai laissé Eric faire ses courses là, il devait prendre du coca. Et vous savez ce qu'il a pris ? Très bonne initiative. Du champagne version chocolaté. Ça a l'air trop bon. Oh, c'est cool. Alors, j'ai conscience que... Non, attendez, vous savez quoi? Je vais me poser là-haut, parce que là, déjà, je peine du bras. En plus, la lumière, elle est pas terrible. Et on va papoter. Et je suis en train de penser à ça. Mais j'avais complètement zappé. J'ai fait le test Covid il y a... C'était jeudi. Non, vendredi. On est lundi. Les résultats, ils doivent être là. J'ai dû les recevoir. Enfin, c'est même pas les recevoir. Je crois que c'est un code. Et tu vas sur le labo, le site du labo. Oh, alors, on va aller dans la boîte mail, faut que je retrouve les codes. C'est long. Le test Covid est en PDF. Oh non, mais je me dis que s'il y avait eu un truc... Je pense... Non détecté. Négatif. Doutez quand même, mais bon, j'avais peur d'un faux de positif, moi. Ah, c'est cool. Attends, je lis bien. Résultat négatif n'exclut pas définitivement une infection. La qualité du prélèvement, et notamment du prélèvement naso, nanana, est primordiale pour assurer, selon les données actuelles, et n'est pas constante au cours de l'infection et peut varier selon la... Voilà. Bah, je vais l'imprimer pour le montrer, je pense, à la production. Ah, c'est une coiffure expérimentale. C'est plus trop quoi faire. Oui, donc je voulais papoter avec vous. J'ai conscience que ce vlog, celui-ci en l'occurrence, est pas très 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 fourni. Mais en même temps, quand t'as un rendez-vous comme ça, au milieu d'après-midi, ça te coupe tout. Et il y a des jours où, bah, forcément, il se passe pas grand-chose. Est-ce que, justement, il faudrait pas les jours où, comme aujourd'hui... Arrête, Jack. Non, il va bien en train de manger ma plante. Où il se passe pas grand-chose, est-ce qu'il faut pas sauter la journée? Vous voyez? Ou alors, est-ce que je vous montre la vraie vie et comme il s'est passé... Non. Celle-là. Le truc, c'est ça. Et j'aimerais être un petit peu plus créative. En fait, vous proposer dans les vlogmas quelque chose. Parce que c'est sûr, je peux comprendre que montrer ses courses... Et encore, je vous ai fait des retours de courses et je vous ai montré des courses dernièrement. Parce que vous m'avez demandé. Vous me dites, ah, oh, j'aime bien d'ailleurs la vidéo retour de courses. Beaucoup m'ont dit, ah, oh, j'adore, j'adore. Donc moi, comme une con,
bah, je m'exécute. C'est-à-dire que là, en ce moment, je vais pas mal faire des courses. Je sais pas pourquoi, mais on fait pas mal de courses comme ça. Et je vous montre, parce que je me dis, ça leur plaît. Mais au final, je sais pas moi si ça lasse. Sinon, voilà. Oui, donc je voulais dire, j'aimerais bien être un petit peu plus créative et faire de ces vlogmas. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette parce qu'on est le 7. Non, enfin, on est, oui, on est le 7. Vous apporter quelque chose. En fait, le but, c'est d'apporter quelque chose. Ça, ça le rend juste dingo. Attention. Ça le rend dingo. Vous voyez l'idée? Donc, il faudrait que je me pose et que je réfléchisse. Alors, je ne vous sollicite pas. C'est pas à vous de me dire fais ça, fais ça. C'est à moi de trouver le truc. Hein, je sais bien. Mais faire de ces vlogmas quelque chose de cool. Et voilà. Quelque chose qui change. Et que ce soit pas forcément... Alors je m'avance peut-être parce que ça se trouve je n'y arriverai pas et je vais rester sur un traditionnel défilé de ta journée, vous voyez. Il est beau quand même. Ah bah non, viens, viens ma pupus. Vous voyez là, par exemple, il se passe pas grand chose là. Il y a même les photos à faire. Ah oui, en parlant de ça, ah pareil. Alors là, mais quelqu'un peut m'expliquer sur Instagram, quand tu ne publies pas, que tu fais rien pendant par exemple 10 jours, alors tu prends quelques abonnés, mais au moins ça évolue. Et le jour où tu commences à faire des photos, des stories de façon régulière, des reels, enfin, voilà, tu publies, et ben je sais pas, tu perds des abonnés, il se passe plus rien. Alors que mes stories sont quand même pas mal vues, mes reels aussi, on n'arrive pas à évoluer. Donc il doit se passer un truc, c'est pas possible. Moi j'ai pas les codes, je n'ai pas les codes. Et c'est vrai que pour arriver à ces fameux 10 000, pourquoi je veux arriver? Non. À 10 000 parce que tu as le swipe up qui te permet directement, les gens peuvent aller directement sur ta chaîne YouTube ou directement sur... Ben c'est vachement bien, mais à ce rythme là, en 2030, j'aurais toujours pas les 10 000 cas, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Je comprends pas. C'est ouf, c'est très bizarre. Donc ça aussi, c'est hyper décourageant, tu te dis bon, allez, laisse tomber, tu sais quoi, je fais plus parce que ça n'avance pas. Ou alors peut-être qu'il faut taguer les bonnes personnes, il faut faire des jeux concours, beaucoup, beaucoup. Faut... Je pense, voilà, il y a beaucoup de ça. Et ouais, je crois que c'est ça. Il faudrait que je fasse plus de partenariats, que j'en accepte plus, parce que j'en ai plein de propositions, mais je me dis oui, ok, ouais, je vais en faire. Tu veux pas un petit partenariat quand même? L'amour, la salmère. Là, ça va être gênant. Les cacher dans la savane, les plus cachés, les cacher dans la savane. Voilà, ça c'est du contenu. Bon, j'ai eu un entretien téléphonique pour le plus gros de mes projets. Je peux, sans trop m'avancer, vous dire que j'arrête pas de vous dire j'avance, je recule, là. J'ai bien avancé, j'en ai deux projets. Un, d'ailleurs je suis en mesure de vous annoncer, j'ai eu la réponse que courant décembre c'est sûr. Idéalement, là, ça serait peut-être dans une semaine, idéalement, que je vais pouvoir présenter mon projet. Donc, je suis trop contente. Et le gros du gros du gros va très certainement se faire. Je suis hyper contente. Donc, j'ai encore plein de choses à voir. Mais d'ici quelques temps, je pense que c'est bon. Ça va être mon bébé pour le plus gros, là, que je vous dis. Oh, ça serait trop bien. Vraiment, ouais, c'est cool, voilà. J'ai mis du crayon. Je suis en train de me dire que... Heureusement que c'était pas une visio, vu la tête. Bon, bah, il est 8h. C'est l'heure d'aller au lit, c'est l'heure d'aller manger, d'éteindre mon ordi, de décrocher et de me poser devant, bah, je vais continuer. Vous m'avez donné plein de suggestions de séries, pour la plupart je les ai déjà vues. Luther, pas vu, donc ça peut être intéressant, j'aime bien les polars en plus. Mais là je vais finir mon truc de design, stylisme qui est sympa, j'ai quasiment fini. Voilà les amis, ah, je suis trop contente. Et en plus, j'ai pas le Covid. Comment on va faire attention à notre poids et à tout ce qu'on mange? Bon, bah, en ce cas, non. Dis-moi non. Mais si bon, tu dis allez, non. On fait pizza. Bon, bah, ouais. Comme vous l'aurez compris, on s'est commandé des pizzas. En même temps, il y a des offres à chaque fois. Genre, t'en commandes une, l'autre, elle est offerte. Ou alors, elle est à 7 euros. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas résister. Et je vais me démaquiller parce que j'ai vraiment envie. Là, ça me tire un truc de fou. D'être à l'aise pour manger ma pizza, regarder la suite de mon émission. Je vais terminer ce petit vlog maintenant et surtout, je vais faire un gros bisou. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Salut !